Bonjour, ici Nancy Desjardins. Bienvenue à 5 sur 5. Cette semaine, le nouveau visage de la musique traditionnelle québécoise. Vous connaissez Alain François? Un peu, oui. Un peu? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. On ne l'a jamais vu en spectacle, ni vous ni moi. Non, pas encore. On va aller voir ça. Alain François, Tania. Allô. Alain François. Allô. Ça fait plaisir. Moi aussi. Donc, moi, je n'ai pas encore vu aucun de vos spectacles. Je me demandais à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre comme musique. Dans quel genre est-ce qu'on s'en va? Évidemment, c'est du traditionnel. Je fais un traditionnel bien à moi. C'est-à-dire? Je suis un chanteur violoniste à la base. Mm-hmm. Dans ce que tu vas voir ce soir, il y a beaucoup de percussions qui est intégrée à ça. Donc, c'est des influences qui me sont venues de partout et d'ailleurs. Ça, c'est un truc qui est très, très, très festif parce que je crois que le traditionnel se veut une grande fête à chaque fois qu'on embarque sur la scène. Pour le spectacle, c'était vraiment extraordinaire. L'énergie qu'il y avait sur scène, c'était incroyable. Vraiment, bravo tout le monde. Puis, je suis bien contente d'avoir vu ça, ce show-là. C'est vraiment un coup de cœur maintenant. Là. Oh! Merci! Est-ce que c'est vraiment du traditionnel que vous faites? C'est-tu du folklore québécois? C'est quoi exactement? Je crois que ça peut faire partie du nouveau traditionnel, à quelque part. Du néo-trad. Oui! Tous les textes sont actuels. C'est des histoires qui ont été composées. Non, pas, ça n'a pas été des histoires qu'on est allé chercher, par exemple, des vieilles chansons et les mettre à jour. Ce qu'on voit beaucoup dans le néo-trad, là. La différence, c'est que c'est un auteur-compositeur, chanteur-violoniste qui arrive avec des histoires actuelles et qui met sa dose de traditionnel, puis à travers tout ça, il y a pop, rock, etc. Comme par hasard, je l'ai trouvé dans l'allée au supermarché. Je marchais le cœur endormi. Quand nos paniers se sont frappés, quand nos regards se sont croisés, elle m'a dit « Je m'appelle Marie! » c'est la fête, puis... Oui, on disait « Chacun met dans ses souliers sa musique et sa cadence, c'est la seule compétence à se mettre dans les pieds. » Fait à chacun sa façon de le faire, puis comme ça, ça devrait bien aller pour tout le monde. Vous avez pas l'impression de dénaturer le folklore? Non, non. Pas du tout. Non, de le côtoyer. Comment vous expliquez que votre musique ou la musique traditionnelle fait en sorte que les jeunes reviennent à ça? Avant... Ils en entendent. C'est le fait d'en entendre. Il y a beaucoup de musique américaine qui nous a envahis de partout, l'Angleterre, la France, partout. C'est un moyen, je pense, de s'identifier à quelque chose, certain. Alors, Tania, fin du temps des fêtes. Effectivement. Vous avez écouté beaucoup de trad? Ben, c'est sûr. Mais là, c'est terminé. Ben, c'est ce que ça devrait, selon les radios, la télé, ce qu'on entend, mais il n'y a aucune raison pourquoi le trad devrait arrêter. Il y a une radio à Montréal. C'est une radio communautaire, CIBL, qui est là depuis 25 ans. Qui a deux émissions de radio.